Toujours en santé, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à la San Ouattara a organisé le lancement officiel du dépistage du cancer de la prostate, dénommé Novembre Bleu, ce lundi à Abidjan. Il s'agit d'un programme de dépistage des hommes âgés de 40 ans et plus qui se tiendra durant le mois de novembre. Michel Brou et Doumbia Ayouba. La prostate, une maladie silencieuse qui peut être fatale lorsqu'elle n'est pas découverte à temps. C'est pour anticiper sur son apparition et déceler les signes de cette maladie que le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO, a mis en place des séances de dépistage dénommées Novembre Bleu. Un mois consacré à la lutte contre le cancer de la prostate à travers le dépistage gratuit des hommes. Et de la même manière que le cancer du sein, quand il est découvert tôt, peut se guérir entièrement, de la même manière le cancer de la prostate, on ne souhaite pas l'avoir, mais quand il est là et qu'il est découvert tôt, il peut se guérir entièrement et même par la radiothérapie seule, sans même qu'on soit obligé d'être opéré. Et la radiothérapie est disponible en Côte d'Ivoire dans cet hôpital. Comment savoir s'il y a un cancer caché quelque part? Parce qu'au début, il n'y a aucun signe. Et c'est ça aussi le dépistage, c'est venir se faire examiner alors qu'on est en bonne santé. Et donc on demande à tous les hommes qui ont 40 ans et plus que 40 ans de venir faire leur dépistage. C'est d'abord faire l'examen de sang qu'on appelle le taux de PSA. C'est antigène prostatique spécifique, mais bon, on retient PSA. Et après ce dosage-là, on examine la personne. Ce sont des patients venus se faire dépister qui saluent cette initiative. L'année dernière, je suis passé ici pour faire le dépistage. On appelle le mois de novembre, novembre bleu. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis venu. Alors, comme ça a commencé, et j'invite les autres frères à venir pour se faire dépister. Bon, c'est important parce que le cancer, c'est un truc silencieux. Et quand il est dépisté très tôt, on peut le soigner vite. Donc, j'ai pas hésité à saisir l'occasion. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à la San Ouattara, dans le cadre de la lutte contre le cancer de la prostate, dénommé Novembre Bleu, veut contribuer à l'éradication de cette maladie pour la population.